Hop, on relance, on retourne sur le jeu Resume. Et je réponds, parce qu'en même temps j'ai encore reçu un SMS. Voyons voir. Voilà. La bombe a été plantée à l'appareil Irak. Ne coupez pas le mauvais fil. Ouh, joli 3 survies, bravo. Bon, du coup, ça va nous faire du stock. Ah oui, j'avais dit que je voulais déplacer des caisses par ici. Qu'est-ce que j'ai comme caisse? Les voilà. Alors, ça fera un peu de place comme ça. Dommage qu'on puisse pas en empiler des caisses. Voilà, je veux que ça ne contienne. Bon, ça peut contenir. Ça non. On va mettre que les ressources là-dedans. Merci madame. Voilà, on va faire ça correctement. Voilà, voilà. Ouh là là, Zombie the Dead. Quel nom original. It yearns for flesh. Ça cherche la chair fraîche. Enfin, de la chair tout simplement. Voilà. Voilà. En espérant que personne ne va mourir. Oula, qui c'est qui s'était fait taper dessus là? Allez, courage mesdames! Faites-lui la peau! J'ai l'impression que ça va être chaud là. Non, ça devrait passer quand même, correctement. Ensuite, il nous faudrait que Nico... Je regarde si Nico a pas de nouvelles armes à nous proposer. Si, il a ceci. Donc on va lui demander de nous en faire... De nous en maintenir deux à chaque fois quand il pourra en construire. On manque quand même cruellement de... Est-ce que Steel Ingot j'avais mis en place ou pas? Oui, apparemment c'est bon. Survécu, c'est génial. Et Jepi est arrivé à je sais pas quoi. Jepi, c'est quoi? Yes! For capturing place for. Oh, joli! Ah, bah, Tirac a perdu l'Est. Attendez, quoi? Question de Fab. Ah, excuse-moi. Comment on fait pour faire pivoter les bâtiments? Faut ça avec la virgule. Tous les éléments, c'est avec virgule et point virgule, je crois, sur PC. Désolé, j'ai pas vu. Donc, bienvenue à toi. Excuse-moi, j'ai pas remarqué tout de suite tes commentaires. Merci les autres d'avoir transmis. Qui ont? Comment ça, qui ont? Vraiment mes pleins rabords. Peut-être qu'on prévoit des zones de stockage dans les coins. Genre, voyez par exemple, ici on va prévoir une zone de stockage. Attends que c'est pas fini, en fait, je peux pas stocker des trucs. Donc on va attendre un peu, de toute façon, ils ont plein de boîtes partout là.
Mais merci à toi, Fab. Est-ce que j'ai relancé le timer? J'ai un doute. Non? Je t'avais point relancé le timer. C'est pas très malin de ma part, ça. Ah, sacré vous. Du coup, faudrait peut-être bien construire notre maison. Si je pense qu'on va essayer de nous construire un deuxième dortoir. On va essayer de construire un deuxième dortoir au cas où on n'ait pas assez de lits. C'est sûr que c'est moins agréable que. Ah, voilà. Ça fera un deuxième dortoir. On peut même donner des noms aux maisons. Voilà, c'est parti, ça va être construit. Et yes, 10 000 hours. Opportunity. Ouh, attends, on a des recettes, nouvelles recettes, c'est ça? Quoi comme nouvelles recettes? Là, je vois pas trop. On va attendre. Ressemble à un champ de bataille. Ben bien organisé, bof bof en fait. Hein. J'aime bien quand les choses sont rangées plus ou moins de manière à ce que moi je puisse. D'ailleurs, voir à peu près où je suis. Daily update. Alors à mon avis là, ça va être. Ah non, peut-être pas. Ouh, ça se passe bien. Ça. A new settler would like to join your town. Et encore une dame. Et les systèmes, on va faire comment pour trouver des noms? C'est que les dames quasiment qui viennent dans ce village là. Ramasser les baies aussi. Alors, il nous faut un autre nom. De dame. Il me semble qu'on avait Mélanie. Qu'on n'avait pas mis. Ouais, Mélanie n'y est pas. Donc on peut mettre Mélanie. Où es-tu? C'est qu'il commence à y avoir du monde là-dedans. Ça fait 18 personnes. Il faudrait que je compte le nombre de lits qu'on a au total. Tu ne refuses rien à une Lélie. Tu en as deux. Oui, il y en a un dont tu n'as pas besoin. J'ai pas la même occasion. Je vérifie ça. Voilà. Amélia. Ce sera donc Mélanie. Non, c'est pas Change Job que je voulais. Voilà, on a plein de workers, c'est cool. T'es complètement perdu. Eterna, oui. Mais Eterna, j'ai pas eu de nouvelles de sa part depuis 2012, je crois. Non, bon. Décidément, il est où notre... Est-ce que notre Raccoon aurait été tué? Parce que c'est vrai que je le vois plus nulle part. Peut-être qu'il est coincé dans une maison, sinon. Là, on a Celt qui dort. Alors, on a combien de lits au total? Il nous faut au moins 18 lits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On a que 16 lits. Il nous faut absolument une autre maison pour deux personnes. Que chacun puisse avoir son propre lit.
aussi sortir une caisse de quelque part. On va mettre une caisse de chaque côté, ce sera joli comme ça. Voilà. Il faut aussi vraiment que je remette à filmer Uncharted 4. Parce qu'avec les aventures d'aujourd'hui, du coup, je me suis parmi. J'ai tourné toute la journée. Salut Rafale, ah bon? Ah mais moi je trouve bien sympathique aussi. Ouais, ça fait 4 ans, en même temps j'ai vraiment pas été très agréable quand elle est venue. Enfin, je veux dire, je suis quand même ermite sur les bords et quand elle est venue, il faisait très chaud et je suis quelqu'un qui craint énormément la chaleur. Et elle, pas du tout, et donc du coup, je pense que j'étais assez froid avec elle plus d'une fois. Enfin, pour ceux qui sont déjà venus chez moi, ils savent que je peux me montrer froid en fait, que c'est pas spécialement que j'aime pas les gens ou quoi, c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais je suis très rapidement froid en fait dans mon environnement. Et construction qui s'arrête pour le moment, non, aucune. J'en avais eu avant sur les anciennes versions, mais là depuis que je suis sur celle-ci, j'ai pas le souvenir d'avoir eu un quelconque plantage. Mais je suis en train de me dire qu'ils sont tous coincés là pour manger. Certains risquent de devoir manger n'importe où, regardez-moi ces gens qui mangent sur des... Est-ce qu'il y a des gens qui se plaignent? On a même pas regardé. Ah oui, mon inventaire il est là, d'accord. J'ai plein de trucs. Faudra que je vende certains machins, on a... Bienvenue à toi, oui, toi qui viens de t'abonner. Sur le coup, ça m'a surpris. Merci beaucoup pour ton abonnement, Rafale, et on va rajouter un petit cœur, du coup, puisque c'est ça que tu apportes. Hop là. Ta-da-da-da. Level plus one. Ça c'est bon, c'est noté, c'est fait, hop, on continue. Merci beaucoup, bienvenue parmi nous, bienvenue dans ma bulle. Et j'étais en train de regarder... Ah oui, j'étais en train de regarder ceci. Apparemment, personne ne se plaint. Alors donc, oui, des récompenses... Enfin, des récompenses, des... félicitations sont à l'ordre du jour. Up and down the river, and it seems you've taken care of the bulk of the goblins. Donc apparemment, je me suis occupé du campement de gobelins. Qui était dans les parages. Ok, donc apparemment on doit être plus tranquille. Alors je sais pas trop ce qu'il m'a donné du coup le gars, mais bon, c'était sympa. Et ce serait bien qu'on essaye d'augmenter, qu'on passe au niveau supplémentaire, parce que ça, je sais pas encore du tout à quoi ça ressemble en fait. Voilà, build, place, the guildmaster skill. Et je pense que je vais essayer d'obtenir le crafter's approval. Mais pour créer ceci, il me faut quoi déjà? Voilà, regardez. Sa patate, oh la patate. Comment ça, je suis l'iceberg qui a coulé le Titanic, pourquoi? Et pas 1080, bah parce que c'est vous qui avez un peu payé, enfin vous. C'est les gens qui sont sur le live via les dons qui ont payé la carte graphique et je pouvais pas me permettre de prendre une 1080. Là. C'était un peu trop compliqué, disons que financièrement c'est pas trop ça, donc 1070 c'était largement suffisant pour ce que, pour l'instant. C'est déjà très bien. J'en ai qu'un seul pour le moment, j'y joue pas très souvent. Tu es quoi parce qu'on a trop de filles dans ce village? J'adore la formulation, n'importe quoi. Tu es qui? Combien tu pèses? Tu viens d'où? Surtout que ça fait bizarre, hein. Comme ça, dit ça. Tu es quoi au juste? Dis-nous tout! Mais bon, effectivement, le fait que ce soit une fille, c'est bizarre, mais... Enfin, pour ce que dit Limpo. C'est bizarre, le fait que ce soit une fille qui pose la question, ça passe mieux. Ah oui, une nouvelle espèce. De personnes dans le village, c'est marqué juste en bas, 18. Ah oui, c'est vrai que c'est un peu caché là sur mon overlay. Il y a 18 personnes pour l'instant dans le village. Et alors, on est au 20e jour, j'ai eu un petit peu de mal à démarrer.
test sanguin, s'il vous plaît, un prélèvement de salive aussi. Parce qu'on peut définir les choses là comme ça. Alors lui, il vient de débarquer. Bon, vous savez quoi, on va lui vendre des tas de machins, celui-ci, là. Histoire de faire de la place. Qu'est-ce que tu veux, mon petit monsieur? Ça, déjà, je vais t'en vendre. Parce que j'en avais tellement. Mais c'est bizarre, ils apparaissent pas tous sur le stock général, j'ai l'impression. Ça, je vais le vendre. Ça aussi, ça fera bosser les gens. Et moi, ça me rapportera des sous. Des sous! On va tout vendre. Tout ce qu'on peut. Alors, le bois, par contre, je vais le garder. Je le veux, ça. Ça c'est quoi? Ah, un trophée. Là j'en ai 14, on va en vendre 10. Pareil, là on va en vendre 10. J'ai 8 lits, différents morceaux de viande, de la nourriture, on a ce qu'il faut aussi. Oh, bah, ok, ça devrait faire l'affaire pour tout ça pour l'instant. Voilà. Ah bon? Alors par contre je sais pas du tout qui est Dunfield. Hein. Mais en général j'aime pas accélérer la vitesse de ce genre de jeu. Parce que c'est ce qui est agréable en fait, que le rythme soit pas trop rapide et qu'on puisse justement prendre notre pied correctement. Les coffres doivent être quasiment pleins parce qu'il y a des objets qui traînent partout. C'est le bordel là. Ah, ils sont en train de construire la maison, c'est pour ça qu'ils sont plus en train de creuser. C'est quoi ces feignasses là? Vous pouvez pas se séparer? Pognon, 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 pognon. C'est un nouveau Pokémon qui devrait faire ça. Pognon. Mais moi, mon Raikun, il est où? On avait un Raikun qu'on devait appeler Sly et on sait pas où il est, du coup. C'est pas malin, ça. Bon, là, il y a un loup. On va le laisser tranquille. Faudra peut-être bien qu'à un moment ou à un autre, aussi, on parte en exploration. Et je crois que à la base, à moins qu'elle ne soit, qu'elle était plus par là, il y avait... Ah, il y a une statue de lapin ici. Est-ce qu'on pourrait éventuellement... C'est quoi ça? Non, bon, ça c'est des baies. Là, on sait pas s'il y a quelque chose. Parce que cela pourrait donner quelques envies d'exploration quand même. Hein. Il nous faudra aussi engager un nouveau fermier. Afin de faire pouvoir évoluer quelqu'un vers un autre niveau. Le fermier m'aime forcément à ça. Ok. Il nous faudrait un ingénieur aussi par la suite. Et ça, ça a pas l'air d'exister encore. Ouais, la statue de lapin, ça donne juste un peu de pierre. Il me semble qu'il y a un peuple lapin qui traîne quelque part. Peut-être qu'ils l'ont pas encore sorti ou qu'ils l'ont pas encore utilisé dans le jeu, mais ils avaient montré une image où on voyait un peuple lapin. Je peux vider l'eau du petit lac. Ouh, intéressant ça. J'ai jamais fait gaffe. Ou j'ai pas le souvenir en tout cas qu'on soit possible avant. Qui dit mieux? Qui dit mieux de quoi? Ah. Mm-hmm.
J'ai l'impression qu'ils ont fini de construire. On va donc rajouter. Une deuxième maison. Ce serait pas mal ça. Pour manger. Et dans le même sens, si possible. Ça me semble plutôt bien comme ça. Hop là. Ah, il nous manque des... On verra ça après du coup. L'Imala n'a pas encore eu le temps de faire tout ce qu'il fallait. Il n'y a pas eu 10 secondes, c'est dommage. D'accord. Alors. Bon, ça va, on s'en sort trop bien. Sled Bob. Bon, encore un homme. Il va falloir lui trouver un nom. Oula, sauvegarde, d'accord. C'est pour ça que ça plante. Herbaliste level 1, nickel. Donc, Sled Bob, quel sera son nom? Nous avons déjà un Sulive. Nous avons déjà un Nico. Bah, Menhir, on avait fait Nir tout à l'heure. Donc, mort info. Et on va l'appeler Menhir. Du coup. Parce que bon, c'est bien gentil tout ça, mais... si on a fait Nir sans Menhir, ça va pas le faire, Menhir. Je vais essayer d'articuler correctement. C'est rigolo ça du coup que tu l'as rencontré sur un même mot. C'est vrai que c'est une histoire rigolote à raconter. Elle se faisait appeler Marie 1977 peut-être. Un menhir en effet, oui. Oula! Qu'est-ce que c'est que ce... Ah, c'est des petits arbres. Des petits arbres nous attaquent! Faisons-leur la fête, regardez-moi ça! Oula, 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 oula. C'était pas joli ça. Ah, des petits arbres et une grosse bestiole. Ok, bon bah ça va être vite calculé de toute façon. Non! Où sont nos. Nos superbes héroïnes? Il nous faudra une troisième héroïne du coup parce que là. Vite, mesdames, s'il vous plaît. Ah, je les vois courir là-haut. Venez à la rescousse d'Elanor, qui est en train de souffrir. La pauvre. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme potion supplémentaire? On peut faire des Corse Bandage. Donc là, on va en crafter un comme ça. Même que je surveille le combat un peu. Ouh, j'aime pas ça. Non, c'est bon. Pour l'instant, personne n'est là d'être mort, c'est parfait. C'est juste que je vois que quelqu'un dans la maison est enfermé et apparemment a pas de vie. La question, c'est qui est-ce? C'est forcément Elanor, parce qu'elle était là dans le coin tout à l'heure. Faites-moi la peau à Svaranus. Putain, il est solide celui-là. Hein. Oh, quel bordel.
Ah ouais non, Eleanor, elle est là. Donc quel est ce cœur qui traîne? Non, pourtant y a personne. Bon, c'est un bug qui affiche ça alors. J'espère que personne n'est mort. Apparemment personne, on est toujours à 19. Ok. Je suis l'évolution. J'ai eu dû rater quelque chose là, je pense. Les Ents sont là. Les mini Ents. On a toujours pas de chaise, comment ça se fait? Qu'est-ce qu'elle fabrique, l'animal là? Oh! Qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire? Elle est en train de faire des tables pour l'instant. Les chaises, ce sera après, d'accord. C'est pour ça qu'on a si peu de choses. Le Raikun, ouais, mais c'est pas. Parce que celui-ci, tu vois, c'est pas le nôtre. C'est un Raikun sauvage. Apparemment. Il n'est pas adopté par qui que ce soit. Et peut-être que sans le vouloir, je l'ai viré, hein, allez savoir. Ça m'étonnerait quand même un peu, mais bon. Donc du coup, il nous faudra aussi d'autres lits. On verra ça après, on va attendre que Amimala ait fini de construire tout ce qu'il nous faut. Et comme je disais, ce qui serait bien, serait aussi qu'on commence à construire l'un de ces trucs là. Voilà, il nous faudrait le Guildmaster Skill. Alors ça c'est quoi? Eevee Bandage, ok. Il nous faudra un potier pour construire ça. Alors le truc c'est que je sais pas du tout où est-ce que ça va mener exactement cette histoire. Si ça a vraiment débloqué l'autre chose après, j'aimerais beaucoup, mais on va voir. Ah, fallait avoir des lettres en commun. Et oui, mais il faut avoir des lettres en commun pour que ça fonctionne et que ça mette des pourcentages. Donc je suis désolé, ça ne peut pas fonctionner ainsi. Vous le savez déjà d'avance. Je casse tout le truc, je suis dégueulasse. Aucun respect. Hey, check escargot. Oh, joli. Le jour, j'ai vu quelqu'un qui en mettait dans sa bouche directement, là, qui l'a chopé par terre, là, et qui... Entre nous, tant ça me dérange pas de manger des escargots quand ils sont préparés et tout, mais là, le choper comme ça et le bouffer, c'est tout gluant. En plus, c'est que la coquille, quoi. Ils sont fous, les gens. Ah, il est dans les salles troglodytes, mon Raikun. Je le vois pas. Je ne vois aucun Raikun par ici. Il se cache. Tu vas mourir? Ah ouais, c'est ce matin ou hier, j'ai failli mourir. C'était absolument dégueulasse, il y a une vidéo, ou, enfin un gif sur Facebook, je sais pas pourquoi les gens postent ça, où t'as un personnage qui est un mouchoir par terre après s'être mouché dedans, et tu vois la dame qui arrive derrière, qui chope le mouchoir et qui vient tout bouffer, c'est là... Derk. Ah, rien que de repenser à cette image, ça a envie de vomir. Un petit Isaac, comment ça, un petit Isaac? Un petit Isaac. Un petit Isaac. Arrête, je mange. Quelle idée aussi. Le prochain qui redit. Limace. On peut changer si tu veux. Oh. Ah, d'accord, même pot. Et deux, ça peut être très agréable d'entendre quelqu'un mâcher dans un micro. Alors, on est où, Mimala? Ah, c'est bon, on a tout? Non.
Donc ça veut dire que ça y est, on peut construire cette maison là. Ah non, 4 chaises seulement pour l'instant. Ok. Apple juice, apple juice, apple juice. Tu l'as vu tout à l'heure cette image aussi? Les Tirac. Ah non. D'accord. Près de l'entrée des grottes. Ah oui, je le vois. Sly, viens là. On a besoin de toi. Mais arrête de courir dans tous les sens. Oui, c'est notre Sly à nous. Voilà. Et si jamais on adopte un lapin, on l'appellera Kald. Voilà, ça me paraît logique. Et Tirac, chasseur de Raycon. Heureusement que t'es là, hein. Merci. Wow. Il est interdit de tuer des gens aussi importants. Là, faudra attendre qu'il soit niveau 4. Il faudrait vraiment beaucoup plus de fleurs. On va donc agrandir le jardin pour les fleurs. Là, ici, on va poser un truc pour les fleurs. Voilà, et puis pourquoi pas un autre carré de fleurs juste à côté. Comme ceci, avec les deuxièmes fleurs. Et ensuite, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse planter des arbres. Pourquoi se casser la tête? Ça peut peut-être pas être aussi joli, mais on plantera des arbres ici. Allez, Limpo, au boulot! Pense à augmenter les impôts de ce livre. Oh. J'ai un imposteur. Et plein de bisous à tous, c'est mignon. Bah bonne nuit à toi, Limpo. Fais de beaux rêves. Prends soin de toi. Dors bien, comme on dit. Essaye d'être en forme pour le boulot demain. Et puis à la prochaine. De 40%. Rase la forêt pour mettre des fleurs. Non, mais la forêt, faudrait que je la replante. Là, ça serait cool. Parce que regardez, c'est tout vide autour de chez nous. Il n'y a plus rien. Moi, je trouve ça triste. C'est à Celt qu'il faut le dire. Toi aussi, Lipo, bonne nuit et beau rêve. Prends soin de toi. Par contre, je crois que je vais arrêter de lui faire construire ce genre de choses. Ça va passer à la trappe, ça. On va plutôt construire... Ouais, des tours comme ça, je trouve ça plus joli, moi. Voilà. Ça, c'est fait. Et salut, Gépi. Comment vas-tu? Qu'allez-vous dans le grand nord? Avec mon superbe accent complètement raté du Québec, sachant plus que je sais pas le faire correctement. Oh, coucou, Perséker, je t'ai pas vu arriver. Alors, soit t'étais là avant et je t'ai pas vu arriver, soit c'est le premier message que tu postes, dans ce cas-là, coucou à toi. Bonne nuit, Ringabel, merci beaucoup. Faites beaux rêves et prends soin de toi aussi. T'as quand même de la chance, moi je vais pas regarder le live de la... enfin, en dormant. En dormant. En étant dans mon lit. J'ai pas d'écran dans ma chambre. Deux heures qu'on attend quoi? Ah, enfin présente. Donc désolé, j'ai raté ton arrivée.
Ah, daily update. On s'en sort tellement bien pour le moment. Il faut vraiment qu'on fasse... Alors, mana, apparemment, ce serait une demoiselle. Donc, si j'ai bien compris, ce sera Rafale, alors. Alors... Allez hop. C'est rigolo parce que du coup on a Mirage et Rafale sur le chat. Bah écoute, ça va, ça va. Bah ton perso. Le Lidal, c'est d'aller cliquer directement dessus pour le retrouver quand même. C'est là que ça marque est mort. Alors où est le GP? Il est là, le GP, il aide à creuser avec ses camarades. Voilà, tu transportes des choses pour l'instant. Parce qu'on leur a donné une grande salle à creuser là. Histoire qu'on récupère un maximum de pierres et tout. Et je pense qu'il est l'heure de donner à Soso une épée pour qu'elle puisse commencer à combattre. Et pour pouvoir faire passer quelqu'un au niveau d'archer. Une demoiselle, tiens, si on l'appelait Roger. Mais est-ce que je peux créer... c'est qui crée les archers? Enfin les... non, c'est pas là. On va donc regarder ici. Je pense que c'est plutôt vers le bois. Oui, c'est vers le bois. Est-ce qu'on peut créer un élément haut de gamme archer? Level 3. Maintenir un dans l'inventaire et un comme ça. Voilà, et qu'est-ce qu'il faut pour faire un chevalier longsworn? On va essayer peut-être de donner une promotion à certains. Je sais pas si t'arriveras à voir tout ça. Salut Scopsune, comment vas-tu? Bah merci, ça fait plaisir de t'avoir ici aussi. Désolé, je grignote en même temps. Dès qu'elle aura l'épée. Mais non. C'est pas parce qu'elle a qu'un intelligence que hein. Elle a promotion pour la Soso. La Soso, c'est un peu dégueulasse comme ça. Soso, t'es où? Soso Sweet, change job. Tu peux arrêter de creuser, c'est bon. Tu deviens guerrière. Lui titre mais pas le reste. Merci. Bah ben écoute, ça va. Ça peut aller. On n'a pas beaucoup de maisons pour l'instant. Et comme je disais, je crois qu'on n'a pas assez de lits. Il faudrait que je construise une troisième baraque un peu plus loin pour caser des lits. Ça ne serait peut-être pas une mauvaise idée. Ton raton est toujours vivant. Oui, ça va. Justement, on l'a renommé en Sly Raccoon. Je sais pas pourquoi. C'est les gens qui ont proposé sur le chat, hein. Donc moi je trouve ça cool comme nom. Et pendant un long moment, on l'a perdu de vue. On est en Amazonie, pourquoi on sera en Amazonie? Ah, pour les Amazones. Rocket, oh. Tu veux Rocket? Bah après tout c'est le tien, si tu veux vraiment le renommer Rocket, on va le renommer Rocket. Faut juste réussir à le retrouver du coup. Parce qu'il se balade le bougre hein. Je sais pas trop où est-ce qu'il est exactement. Dès qu'on le voit on le renomme Rocket alors. Si tel est ton désir. Dormons dans le même. L'armée des filles. Ah non mais chez moi y'a personne qui dort par terre. C'est quoi ce soupleau? Ah, Eleanor passe au niveau 4. Je sais pas.
Elle doit être quelque part par là, t'es tout mis. Elle va finir par arriver de toute façon. Je crois que c'est Rocket. Comme je disais, ah oui, mais j'avais dit qu'il fallait que je construise d'abord un autre lieu pour qu'ils puissent manger. Là, c'est bon, donc on va demander à ce que ce soit construit. Voilà, c'est parti. On va pouvoir commencer à avoir un deuxième bâtiment pour la nourriture, afin que tout le monde ait une table pour s'asseoir. Quoique là, il va y avoir seulement. Il y aura combien de place totale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, ça devrait être bon avec les deux, je pense. On devrait pouvoir s'en sortir correctement. Et du coup, il faudra aussi un deuxième fermier parce que je vois que Limpo commence à avoir du mal tout seul. Donc, qui va passer fermier? Rafale. Je sais pas trop pour le coup. Bon, les menhirs. Ça me parle bien, ça. Pouf! Coucou, Andrea Belgium. Comment vas-tu? Le retour de Xena. Vous avez dormi sur un matelas, vous n'avez pas dormi par terre. Donc bien différent. Faut pas tout mélanger. Je regardais si on avait des choses à vendre éventuellement, mais j'ai la flemme, ça je veux le vendre, je n'utilise plus ces trucs là. Les flûtes cassées. Elles sont cassées donc ça sert à rien de les garder. Je sais même pas si on peut les réparer ou pas. Mais normalement t'as des épées hein. Elle est où Soso? Soso. Ici elle se balade en bande en plus. Regarde, t'as une massue. Un bouclier. Un vêtement particulier. Non, t'as tout. T'es bien équipé là. Que sur la rediff de mardi, mais pas les précédentes rediff, puisqu'il a fallu recommencer. Vivement demain soir, le week-end. Je m'étouffe. Je suis pas encore tailleur forgeron. Non mais le tailleur c'est je crois que c'est la Nord, la personne qui taille. Et enfin qui fait tailleuse. Et Nico forgeron. Par contre du coup je pense que je vais essayer. Alors, faudrait essayer de qui entre Celt et Isa va passer alors il faudrait une archère. Et une chevalière, mais ça marche pas. Parce que chevalier pour la version masculine, mais comment on dit pour les femmes du coup? On peut pas dire chevalière. Parce que pour moi, la chevalière, c'est la bague. Ça existe pas. Ou alors faut dire chevalier. Il y a un risque à combattre entre lui dedans. Au moins, ça déstabilise Denis. Ben après ça dépend. Et Tyrax, l'ennemi est assez déstabilisé, y'a pas besoin. Ah, celui qui envoie un lien. Taille sévère, elle a de la répartie. Ah mais ce va falloir attendre, parce que pour l'instant t'es que niveau 1, donc je peux pas te passer au-dessus je pense. C'est ça, tu vas te transformer en bague. Chiaz Ali. Oh là là. C'est rigolo ça comme truc. Chiaz Alière. Ouais, toutes les femmes sont pas des chiaz quand même. Ou alors j'ai raté un épisode. De nouveaux ennemis autres que les loups et les gobelins. On a vu des sortes de... Hop là, fin du timer. Des sortes de hentes bizarres, des zombies.
Et enfin, quand je dis des ants, c'est des petits. Des tout petits, petits, petits. Genre qui font un cube de haut. Et enfin, pas un cube parce que les cubes ici sont trop petits, mais c'était pas bien grand. Et on a vu aussi du coup la même chose, mais en version pierre. Sinon, on a vu les loups, les gobelins, effectivement. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu sorte des grosses chenilles géantes. Ma focation est contre tes mains. Coucou, notre rider! Je t'ai pas vu arriver, je crois. Ou alors, tu viens de lâcher une patate juste en arrivant. Mais il est possible que je t'ai raté. Je vois que des gens arrivant. Enfin, je remarque trop en retard les arrivées là. C'est terrible. It's mine. C'est à moi. Mon précieux. À chaque fois, parce que du coup, comme elle a les cheveux un peu blancs là, ou très blonds, platine, à chaque fois j'ai l'impression que c'est un zombie qui se ramène. Mais les zombies ont les yeux qui brillent. C'est pas vraiment approprié. Ben, Knight. Knight, c'est quoi? Ce serait quoi? Comment on pourrait traduire Knight? Knight. Bref, moi j'appelle ça un chevalier. Ah. Et Knight Rider, du coup, fille ou garçon? Parce que là, en fait, je cherche des noms. Je crois que tu me l'avais déjà répondu, mais bon. A ghost banner man. This your town. I laugh till I cry. By order of a ghost skull bunker, a goblin old chief to be, you and all your staff now be tribute to great glittering army. Le gobelin il sera même. Ouais, mais tout ce que tu as fait, ça appartient désormais au roi des gobelins. J'ai pas envie. Chevaleresse. Oh. Sur Alert Box. Alert Box. Je sais pas. Je sais pas ce que c'est Alert Box. C'est une zombie qui a rejoint notre camp. T'es quoi? Mais oui, mais tu comprends. Le t'es quoi? C'est une petite référence à Chevaleresse. Oui, j'ai bien vu. T'inquiète pas, ce livre. Merci d'avoir fait la recherche d'ailleurs. Mais ne me piquez pas mes questions. Mais t'es quoi? Parce que sur le, je vous rappelle en fait sur le forum Xoït à l'époque, on avait l'obligation de donner son sexe. Et pour ceux du coup qui ne voulaient pas le donner, il y avait un troisième sexe possible qui était alien. D'où le t'es quoi? Non mais c'est parce qu'on sait plus quoi faire au niveau des pseudos. Là ça devient compliqué. Autant les mecs on en a plein en stock, autant les filles ça devient plus compliqué. Donc c'est pour ça que je pose la question. Donc c'est pas une question de curiosité, c'est une question de pseudo. Parce qu'il faut qu'on arrive à sauver tout le monde, et plus on rentrera de monde, plus ce sera agréable. Donc Ogo Wu, qui c'est Ogo? Bonjour ASV. C'était quoi déjà ASV? Ah si, H-Sexville. Je crois que c'est ça. Je sais pas, je suis vieux, moi j'ai pas connu ces trucs là. Je suis en train de me dire que j'ai un trou dans mon jean là où il faut pas. ASVM. ASVM. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça, mais je suis pas sûr. Little you have big throat, soothsayer, never wrong. C'est quoi ça, soothsayer? Goblin who can see future. Ah! C'est un voyant. All ones dying away, new star rising, good for Ogo, bad for everyone else, you included. Je suis pas d'accord. You say something, no matter. We return soon. Be easy for us to move. Ouais, ouais, ouais. On va continuer à collecter pour eux et Celt, Nanfron, enfin Celt, Isa et Soso du coup. Oh, regardez, il y en a une qui a un superbe casque. Qui est cette personne qui se cache sous un casque? C'est Soso. Ah non, Celt. Celt qui a pu prendre un superbe casque. Bravo, Celt. Ouais. Rafale. C'était Rafale, ça. Mensuration ou punaise, quelle horreur. Ah, je crois qu'on va avoir quelqu'un d'autre. Attention. Arwin. Ah non, non, ça c'est un mec. Iroquois, c'est rarement féminin. T'as de la barbe ou pas? Quoique la barbe, ça peut être féminin aussi, allez savoir.
Hein ? Y a pas de règle à ce niveau-là. À mon avis, c'est un homme, ça. Ah ! J'ai atterri dans le four. Allons dans une caisse. T'es qui, toi, du coup ? Bon, faut qu'on trouve un nom de mec, je pense. De quoi ? C'est un mec. Pour la Horde. Comment ça ? Vous seriez du côté des gobelins ? L'espèce qui garde toujours autant ses secrets. Oui, il vaut mettre un oui qu'un non, hein. Ah, c'est Sulive qui est un herboriste. J'avais oublié ce détail. Herbaliste de niveau 1. Pourquoi tu travailles pas ? C'est parce qu'on n'a pas encore assez de plantes. On n'a pas encore assez de plantes. On empêche de travailler Sulive parce qu'on n'a pas encore assez de plantes. Alors ça, c'est quoi ? Énergie tonique. Bon, allez, fermier. Il nous faut des fermiers supplémentaires, là, parce que... Je vois que on avait déjà mis un de plus. Je vois qu'ils font leur boulot. Qui s'occupe de la bœuf. J'avais pas vu les choses ainsi. Comment ça, tu es seul dans l'Alliance? Bon, du coup, comment s'appelle le petit nouveau? J'ai l'impression qu'ils sont tous en train de chercher d'attendre à manger, là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font tous là, là? Oh. C'est quoi cette histoire? Ils se font un petit rassemblement? Alors, j'ai failli dire un truc raciste en plus parce que... Oh, c'est dégueulasse. Pourquoi tout le monde est là en train d'attendre que le temps passe, quoi? C'était une réunion. L'Alliance s'est mou du genou. C'est Conchita. Ah, il faut tenter de se montrer méchant. Personne ne peut rester continuellement gentil. On a besoin quelquefois de crier... Ah, est-ce que c'est Sly Raccoon? Ah oui, bah Rocket, Rocket. Non mais, Rocket, viens là, viens là, viens là, viens là. M'oblige pas de taper dessus. Voilà. C'est quoi ces caisses là qui sont équipées de tout et de rien? Je suis pas d'accord avec ça, moi. Mais il dépose tout et n'importe quoi dans ces caisses. Normalement, c'était fait pour la bouffe. Ne bouge plus. Au nom de ton maître, je te renomme Rocket. Voilà. Aïe, j'ai pis. Il y a du complot dans l'air. C'est des syndicalistes. Joli. C'est de la ségrégation. C'est pas ma faute. Ça, c'est fait comme ça. Pourquoi il y a un mec qui devient noir des fois? Ah, c'est parce qu'il y avait deux personnages l'un dans l'autre. Il y avait un blanc et un noir, du coup. Et c'est pour ça, en fait, selon le mouvement, on voyait l'un ou l'autre. Voilà. Désormais, le Rocket est parmi nous. C'est quoi, ça? Non, c'est Rocket qui se promène encore. Hé, hey, deux personnes à casque. Du coup, est-ce que je peux... Celt, Archer ou Isa? Ça devient compliqué, il faut faire un choix. Que pouvons-nous bien faire? Je suis en train de penser que ça se trouve... Ah non, le timer, il fallait que j'arrête, que je marque une pause. Ouais, attends, on va marquer une pause. Et comme ça, on va laisser Celt et Isa décider de ce qu'elle veut être. Une orgie interraciale. Oh, dit comme ça. Attendez.